Bonsoir à tous, me revoilà, on est samedi soir, une heure devant moi, il est de nouveau 19h45, allez jusqu'à 20h, 21h15, un truc du genre. Et donc là, dans un champ où j'ai le taux qui va être planté en salade, j'ai rencontré le proprio hier. Et donc ben, je peux détecter ici je peux détecter ici dans tout ce secteur, on va faire quelques lignes. J'espère que ça va être pas mal. J'ai déjà été ici pendant 2 ou 3 ans avec plein de monde. Donc voilà. Merci pour tous vos coms sur la dernière vidéo qui était vraiment géniale. Et là donc première trouvaille, regardez. Dans la motte encore. Une jolie boucle. Ah, la terre est super dure. Wow, elle est jolie. Il y a encore le petit tardillon bien clean. Et derrière le machin en queue de poisson. Là. Cool. Petite trouvaille pour commencer. Bon, on va voir sans. Voilà, je m'attends à rien de spécial, mais on y va. Quatre minutes après, trouvaille chelou, ce petit morceau de je sais pas quoi. Truc mécanique, mais voilà. Bon, pas mal de bons sons qui enchaînent en mode hot, toujours, que je commence à apprécier de plus en plus. Ah, il est déjà un peu plus craquelé le son. Regardez celle-là, juste dans l'angle. Là, oh, je sais pas si c'est une monnaie. Oh non, encore une boucle. Enfin, oui, ouais. Elle est belle, elle a perdu son centre. C'est cool, boucle encore. Nice, ça fait plaisir. Allez, suivante. Voilà, 30 secondes après, là en surface dans une petite motte. Lindauer. Lindauer. Ça se sent. Ou non, ou Pfennig, ou. Oh non, on dirait une 5 centimes Napo. Oh non, mais c'est quoi ça? Oh, il y a un aigle au centre. Je sais pas si c'est une monnaie. Ouais. Oh, ouais, 10 quelque chose. Là, je vais prendre un peu le temps pour la regarder. Bon, elle est toute orange comme les lindos. Mais regardez le lion comme il est beau. Je vais essayer d'avoir une mise au point. Bon, c'est pas top. Voilà, là on devrait, je vais le prendre en main. On le voit bien. Bon, je peux pas déchiffrer là. Je sais pas ce que c'est comme pièce, on dirait un truc anglais. Il y a un marquage au centre ici sous le 10. Je vais essayer de lire. Là, j'arrive pas. Voilà, si vous savez, mettez un com. Et puis bah, sinon, je trouverai sans doute. Mais stylé quoi, je pensais à une monnaie basique. Mais celle-là, je l'ai jamais vue. Plaise. Allez, elle est pour tous les abos, celle-là. Merci. Et ben, ça commence bien, comme l'autre fois. Alors, ça s'est un peu calmé. Ici, une roulette. Enfin, une roulette, une roulette. Un peu après la roulette qui était par là. Ici, je croyais que c'était une merdasse, un bout de plomb replié, celle-là. Et ça n'a pas l'air dégueu du tout, c'est carré. Et derrière, j'ai déjà vu que quand c'est sorti, c'est brillant, c'est un putain de bijou, quoi. Oh. Avec des émaux, je sais pas comment on appelle ça, c'est très lourd. Oh, génial. Alors, je sais pas si ça provient d'une bague, d'un pendentif, en tout cas c'est très beau. Là il y a des petites perles, je vais pas le frotter, là il s'effrite, des petites perles. Et là je crois qu'on appelle ça des émaux, il y en a des roses là, un bleu. Oh, stylé quoi. Et ben c'est cool. Là j'ai fait quoi, putain, il est déjà 9h, ah non 8h05, ça va, il reste une heure.
Ah bah cool, excellent. Bon, ça j'aime bien. C'est peut-être de la merdasse, mais ça brille. Ok, suivante. Bon, il n'y a plus grand-chose là. J'ai commencé par le bas du champ, je vais m'en remonter. Ici, une petite roulette. Bon, c'est de plus en plus pollué. Là, j'approche du bord de la route. Je vais remonter, faire le haut. Et sinon, un peu plus devant, j'ai un truc comme. Enfin, pas semé, mais. Avec des pics de blé, quoi. À voir. Sortie sans le traditionnel pfennig, avec le retour aussi des moustiques, bordel. C'est un peu mieux que l'autre soir, mais. Voilà. Bon, je m'attarde pas là-dessus, mais cool. Bon, j'ai arrêté de faire des lignes. Je zigzague partout, n'importe comment. Là, une monnaie, apparemment. Ça a l'air d'être de l'alu au toucher et au poids. Elle est encrassée de la mort. Sans doute une enfant morlon. Non, on voit que dalle. Ouais, il me reste un peu moins d'une demi-heure. Celle-là, je la gratterai bien. Voilà, cool quand même. Allez, je continue un tout petit peu. La voiture, faire une pause, elle est là-bas dans l'angle. Je voulais me barrer, mais je vais peut-être quand même rester ici, c'est tranquille et il reste pas trop de temps. Ici, une trouvaille, je croyais que c'était un bout de cochonnerie, mais regardez de près, ça a l'air d'être un super objet avec une sorte d'étoile, un blason avec une étoile, je sais pas. Ça a l'air très très travaillé, écrasé aussi. En deux, il y a une petite attache là au centre, triangulaire. Moustique. Ah. Et là, il y a plein de gravures, il y a un dessin de quelque chose. Oh, ça a l'air joli ça. Sans doute un truc religieux, je sais pas, mais ça c'est super beau là. Je vais vous le montrer. Bon, j'ai plus beaucoup de lumière là, il commence à faire sombre. Ouais, très joli cette patine rouge là, c'est classe quoi. Voilà, drôle d'objet plié. On dirait le toit d'une basilique ou un truc comme ça, je sais pas. À voir, j'essaierai de vous l'identifier, de vous la montrer. Ok, je continue après la petite pause. Maître 13 Tabernet qui est là. Bon, il se rhabille parce que voilà. Voilà. Il était en pyjama encore il y a 5 minutes.